Et bonjour tout le monde. Hello, hello. Alors, c'est dimanche matin, il est très tôt. Je suis mal coiffée. Bon, ça, c'est parce qu'il y a eu du vent. C'est pas grave. Alors, moi, je vous attends pour, préparer ensemble des gaufres à la banane. On va faire des gaufres à la banane, voilà, j'avais envie de faire plaisir à mes enfants ce matin. Et surtout, j'avais des bananes un petit peu mûres à utiliser, donc c'est très chouette. Et mes enfants, ils adorent ça, les gaufres à la banane. Et pour le dimanche matin, voilà, c'est top. Ça permet de varier un petit peu les petits déjeuners et de faire plaisir. Alors, du coup, je vous attends parce que je vais vous parler de mon moule pour faire des gaufres. Alors, du coup, j'étais en train de préparer mes ingrédients, de finir de préparer mes ingrédients, et je vais vous expliquer ma recette. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, je suis connectée en même temps sur TikTok et sur ma page Facebook, puisque j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle pareil, hein, que mon profil en cuisine avec Caro. Donc vous pouvez me regarder sur les deux. Voilà. Ça me permet de varier les publics. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. Alors, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Caroline. Donc je suis vendeuse à domicile. Donc mon métier c'est de faire des ateliers culinaires à domicile. Donc je travaille effectivement, je vais chez des particuliers pour faire des ateliers et je travaille aussi en digital. Je fais des lives recettes, donc voilà, je varie du coup mon activité. Donc moi je travaille pour la société Guy de Marle qui est une société de loisirs culinaires française et on met en avant des produits pour vous amener des solutions hyper rapides en cuisine. Et notamment, on est très connu par les moules souples Aura. Hein, c'est une gamme de moules noires que vous retrouvez un petit peu partout, hein, dans le digital. Vous pouvez les voir un petit peu partout. Donc, moi, ce matin, je vais vous présenter du coup le moule à gaufres. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi de pas mal d'ustensiles de cuisine et de la recette aussi, parce que c'est ça qui vous intéresse sûrement. Donc, ma société, du coup, elle fabrique ses propres moules. Donc, ce sont des moules de qualité professionnelle, voilà, qui sont vraiment super à utiliser, faciles à utiliser. L'avantage de ce moule, du coup, gaufre, c'est qu'on va le mettre au four. Donc, regardez, il y en a combien? Il y en a 8. C'est ça qui est très bien. Hein, donc, 8 gaufres d'un coup, ça va être très chouette. Donc, j'adore ce moule. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire 8 gaufres d'un coup. Donc nous, on est 5 à la maison, c'est très pratique et surtout, on peut faire des gaufres salées et sucrées. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Hein, en gaufres salées, je fais souvent des gaufres aux pommes de terre, à la courgette, donc on adore. Et en sucré, ben, on fait une base de pâte à gaufres classique. Et ce matin, donc, je vais vous présenter ma pâte à gaufres à la banane. C'est une bonne façon d'utiliser des bananes très mûres. Alors, la priorité du coup pour ce moule à gaufres, c'est de le mettre au four. Donc vous allez le préchauffer. C'est la différence avec un gaufrier, effectivement. Un gaufrier, à chaque fois, il est super chaud. Hein, on le fait préchauffer, là c'est pareil. Donc vous allez le mettre au four à 220 degrés pour qu'il soit chaud quand vous allez mettre votre pâte. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Donc remarquez, hein, du coup, coucou Chantal, je vois que tu me fais des coucous. J'espère que tu vas bien. Donc du coup, je disais, la plaque aluminium, c'est une plaque qui est perforée, vous voyez, comme ça, elle est trouée. Du coup, elle est importante parce qu'elle va supporter le moule. Ce sont des moules très souples, hein, qu'on a chez Guy de Marle. Donc du coup, il vous faut mettre cette plaque alu sous le moule, ça c'est important. D'autant plus qu'elle est facile à utiliser, vous voyez, comme ça. Hein, voilà, je l'utilise très facilement, elle est super légère. Et on a d'autres moules que vous avez vu sûrement sur mon compte. Voilà, et pour nous c'est un indispensable, elle est vraiment super super. Elle va bien répartir la chaleur dans le four, du coup, hein, toute la chaleur va se répartir. Et voilà, elle est vraiment hyper pratique à utiliser. Donc première chose, je mets au four. Alors, notre
notre recette. On va prendre un cul de poule. Alors, chez Guy de Mal, on a des ustensiles, hein. Je vous les montre à chaque fois parce qu'ils sont juste géniaux. Ça, c'est un cul de poule que j'ai depuis 11 ans, qui est juste extra. Je fais toutes mes recettes dedans. Voilà, donc moi, j'adore cuisiner à la main. Même si j'ai un robot aussi, un pâtissier, j'adore aussi faire à la main. Ça détend. Voilà. Donc là, je vais prendre une banane. Donc elles sont mûres, hein. C'est des bananes très mûres. Et une deuxième banane. Il fait chaud, c'est l'été, c'est vrai que du coup, c'est l'occasion d'utiliser des bananes qui mûrissent trop vite. On va les écraser. Alors, on peut faire cette recette au robot, hein, si vous n'aimez pas cuisiner à la main. Vous pouvez aussi la faire au robot, il n'y a aucun souci. On va y ajouter... Alors, on ne met pas trop de sucre dans cette recette, parce que les bananes très mûres, elles sont déjà très sucrées. Donc, c'est une recette qui est plutôt, voilà, sympa, parce qu'il n'y a pas trop de sucre. Je mets juste une petite cuillère. Moi, j'utilise du sucre de canne, plutôt. Et j'écrase ma banane. Voilà. Alors, on peut la faire, cette recette, de façon healthy aussi, de façon légère. C'est-à-dire que je vais vous donner les alternatives. En fonction de vos besoins, de vos envies, hein, du coup, comment vous cuisinez. J'ai rajouté un petit peu de vanille. Donc, vous prenez de la vanille liquide. Vous prenez voilà, un petit sachet de vanille. Moi, j'utilise de la vanille liquide. On peut mettre de la cannelle aussi, si vous aimez. Donc, on écrase bien la banane avec la vanille pour faire une purée. Hein, vous voyez ? Donc, je vais tourner mon petit cul de poule. Voilà. Une purée. Alors, je sais pas si vous avez déjà testé du coup bonjour bonjour, est-ce que vous avez testé du coup déjà cette recette de gaufre à la banane? Je sais pas si vous avez déjà testé, mais franchement c'est super bon. La banane elle amène beaucoup de moelleux donc dans les recettes, hein. Et moi j'adore, voilà, c'est quelque chose que je fais souvent. On va casser les œufs. Donc il y a 2 œufs. Et le fait maison, c'est trop bon. Voilà. En tout cas, moi dans mon métier, je mets toujours en avant le fait maison, hein, puisque je fais des ateliers culinaires, donc forcément, le fait maison, c'est trop bon. Il n'y a pas mieux. Alors du coup, je voulais passer avec ma cuillère magique maintenant. Pour émulsionner. Alors, je vous présente tous mes produits. Hein. Donc, ça, c'est mes chouchous. Donc, la cuillère magique, c'est mon chouchou. C'est une petite cuillère qui a des petits tournicotis comme ci, des petits tourbillons. Et elle va incorporer beaucoup d'air. Donc, ça va rendre ma pâte hyper, hyper aérienne. Je l'utilise pour tout. Pour les vinaigrettes, pour les maillots, pour les petites pâtes à crêpes comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça réveille en plus le matin hein, de cuisiner à la main. Ça fait moins de bruit que le robot en plus. Allez, là on est bien. On va ajouter le sucre du coup. Non, c'est pas bon, je dis bêtise. Ça c'était pour tout à l'heure. Le beurre. Alors le beurre. Le beurre, je l'ai fait un petit peu fondre. Alors il est bien moelleux, bien... Je l'ai mis un petit peu au micro-ondes. Voilà, vous le sortez à l'avance, vous mettez un peu au micro-ondes. Il faut qu'il soit moelleux. Fondu, moelleux, mais pas chaud. Hein. Donc vous l'ajoutez. L'alternative, si vous voulez faire des gaufres du coup légères au beurre, c'est quoi? C'est le fromage blanc. Vous pouvez mettre du fromage blanc dedans. Hein, donc vous pouvez mettre tout type de fromage blanc, hyper allégé, du coup. Du fromage blanc plus crémeux, du skyr, voilà. Mais vous pouvez remplacer du coup le beurre par le fromage blanc et ça fait des gaufres hyper légères. Ou aussi, on peut mettre de la compote. Je ne sais pas si vous connaissez cette solution aussi. Voilà, donc là j'ai ma petite pâte qui est prête. On va ajouter le lait. Donc je mets tous les liquides en fait. Hein. Tous les liquides et je finirai par la farine. Voilà. Allez, là on est bien. Maintenant, la farine et la levure. Donc farine. Si vous voulez mettre, faire du sans gluten, puisque moi je m'intéresse au sans gluten puisque je suis intolérante. Vous pouvez mettre du coup de la farine sans gluten, donc de farine de riz, farine de sarrasin, on peut s'amuser à mettre d'autres farines, il n'y a aucun souci, c'est très bon aussi, et ça permet de faire des gaufres sans gluten pour ceux qui ne le supportent pas. Alors, on va prendre la petite spatule,
Et on va mélanger tout ça. Voilà, donc là ma pâte arrive, elle commence à se lier. Tranquillement, voilà, mais mon moule est en train de chauffer. Alors c'est dimanche, il fait beau. Moi j'habite du côté de Toulouse, donc on a la chance d'avoir très souvent le beau temps et la chaleur. Et quoi de mieux que de faire un brunch dehors. Donc ça peut être, voilà, ça va être chouette. Brunch c'est vers 11h, du coup moi mes ados dorment, donc ils mangent tard le dimanche. Donc les gaufres, ça fait partie du brunch et c'est très bon. Allez. Donc là, vous voyez un petit peu la pâte, la consistance qu'elle a. Hein, elle est super crémeuse, elle est bien. Hein. Voilà, donc on essaie d'enlever les grumeaux. Donc je vous ai donné plein d'alternatives, je vous donnerai la recette complète. Hein. Voilà. En tout cas, je vais vous reparler un petit peu de... Je vois passer des trucs, je sais pas, super vite sur TikTok en tout cas. Du coup, je fais quoi comme gâteau? Je fais des gaufres à la banane. C'est pas un gâteau, c'est des gaufres à la banane. Et du coup, je vais vous reparler de mon moule Aura. Donc si vous voulez faire des gaufres au four, si vous voulez vous équiper avec les moules Aura, hein, puisque c'est de la vente à domicile, vous avez la possibilité de les acheter sur la boutique en ligne. On a une boutique en ligne du coup, hein, chez Guy de Marle. Donc vous tapez Guy de Marle, boutique en ligne, et vous allez sur les moules. Et vous allez retrouver du coup le moule gaufre. Hein. Il est à 46 euros, voilà, c'est des moules de qualité qui supportent la chaleur. Ils vont jusqu'à 240 degrés, donc il n'y a aucun souci. Hein, voilà, achetez des moules, quand vous achetez des moules en silicone, achetez des moules de qualité, parce que attention, il y a différents moules de silicone, mais les nôtres, ils sont garantis. Il n'y a pas de BPA, il n'y a pas de phtalate dedans, il n'y a pas de bisphénol. C'est de la qualité, voilà. Allez, donc là, on a fini pour la pâte. Je vais récupérer mon moule, du coup, qui est au four. Donc, je vais aller le chercher. Donc, je rappelle qu'il a préchauffé. Allez, bien, je vais mettre, du coup, la louche aussi. Je vais me servir d'une petite louche. Voilà, donc, pour ceux qui arrivent, hein, bonjour, bonjour. Alors, je répète que je suis en même temps sur Facebook, ma page, et sur TikTok. Sur TikTok, c'est la folie, il y a du monde, donc j'adore, c'est hyper réactif. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes, voilà. N'hésitez pas à vous abonner du coup hein, à mon profil TikTok, voilà, moi je publie beaucoup de recettes, beaucoup d'astuces, donc n'hésitez pas aussi à partager si vous avez des amis qui aiment la cuisine, qui aiment le matériel de cuisine, de pâtisserie, c'est le moment du coup hein, de partager voilà, mon profil, vous aurez plein d'astuces au quotidien. J'arrive, je récupère le moule. Voilà. Donc mon moule est chaud, il a chauffé. Je rappelle qu'il y en a 8. On va faire cuire 8 gaufres d'un coup. Et on y va, on remplit. Hop, donc avec une petite louche. Donc je rappelle que je l'ai mis sur une plaque hein, pour ceux qui arrivent. Voilà. Hop. On va étaler. Voilà. Et là, après, il va recuire, ça va cuire rapidement hein, du coup. Finir avec ma spatule magique, donc spatule double embout qui est juste géniale. Alors je vous présente des produits hein, chez Guy de Marle, on a plein de trucs sympas, des spatules, des ustensiles qui vous facilitent la vie en cuisine. Donc celle-là elle est juste géniale, elle est haute température, c'est une spatule qui est super super et qui racle tout. Voilà, donc là on éteint un petit peu la pâte, je rappelle que ça va gonfler, qu'elle va prendre tout le moule hein. Voilà. Hop. Et ça repart au four pour environ 15 à 20 minutes, 15 minutes on va dire. Voilà. Et après, je vais vous faire une petite recette surprise si vous voulez rester avec moi, puisque j'avais envie de proposer à mes enfants du caramel beurre salé pour mettre sur leur gaufre. Donc,
C'est une recette que j'adore faire. Voilà, donc là, ça repart au four. Ah, on y va. Non, c'est un peu trop rempli là. J'ai été un peu trop gourmand, donc je vais juste un petit peu enlever. On essaie un peu d'équilibrer. Voilà. Que ça soit joli et sympa, et qu'il y en ait pour tout le monde, hein, surtout. Alors moi, j'ai des ados, des garçons, donc ça mange. Voilà, donc vous voyez ce que ça fait? Allez, c'est reparti. Alors, on l'achète où la plaque pour gaufres? Vous l'achetez sur la boutique Guy de Marle, Coquelicot. Envoyez-moi un petit message privé, je vous donnerai le lien. Donc, boutique Guy de Marle, c'est de la vente à domicile. Et surtout, quand vous achetez sur la boutique, on va vous demander si vous avez une conseillère. Vous mettez bien mon nom, Caroline Châtelain. Comme ça, moi, ça me permet de savoir que vous avez acheté. Et ça me permet de vous envoyer des recettes aussi. J'ai des fichiers recettes. Hein. Donc, boutique Guy de Marle, voilà. Et vous tapez moule et plaque, du coup, à gaufre. Hein, moule au gaufre, voilà. Et mettez bien mon nom. Je vais vous le remettre, hein, du coup. Allez aussi sur mon profil, vous avez pas mal d'infos sur, du coup. Hein. Elle coûte 46 euros, les 8, du coup. Voilà. 46 euros, les 8. Donc, c'est super. Vous allez l'amortir forcément. Hein. Si vous faites du fait maison, c'est quelque chose que vous amortissez facilement. C'est du produit de qualité. C'est vraiment des moules de professionnels qu'on vous amène dans la cuisine. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est top. Je reviens. Voilà, donc la société c'est Guy de Marle. G-U-Y. Et plus loin, Demarle, D-E-M-A-R-L-E. Hein, donc, c'est une société de vente à domicile. Moi, je suis vendeuse à domicile. Voilà. Alors, on finit. Alors, pourquoi il faut mentionner mon nom? C'est parce qu'en fait, tout simplement, moi, je suis commissionnée. Hein, je gagne des commissions sur les ventes. Donc, c'est comme ça que je gagne ma vie. Du coup, c'est quand voilà, on achète sur la boutique ou quand je fais des ateliers. Quand je vends les produits, ben, je suis commissionnée. Hein. Donc, c'est sympa de mentionner mon nom pour que je puisse recevoir vos commissions. Et après, moi, j'assure un suivi. Je vous envoie des fichiers recettes. Voilà, je m'occupe de vous, hein, au niveau commercial, au niveau client. Donc, c'est mon job. Donc, j'avais envie de faire du caramel beurre salé. Je vais vous montrer ma petite recette. Si vous voulez rester, hein, si ça vous intéresse. Alors, du coup, on va prendre du sucre. Donc, moi, ma petite astuce pour faire du caramel beurre salé, elle est toute simple, c'est de ne pas mettre le sucre trop vite. Donc, vous mettez un petit peu de sucre et vous attendez qu'il fonde. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, mais il ne faut pas tout mettre d'un coup. Hein. C'est ça, quand tu veux de la qualité, il faut mettre le prix, je suis d'accord. Hein, voilà. Nous, on est une société française, effectivement. Et voilà, faites attention, n'achetez pas des moules en silicone à 5 euros, c'est pas du bon silicone. Hein. Nous, c'est un silicone premium, de qualité, qui est garanti, qui est testé et tout. Donc voilà, nous, nos produits, il y a les professionnels qui les utilisent de toute façon. Hein. Les pâtissiers les utilisent, donc ça veut dire que quand même, on est sur de la qualité. Alors du coup, mon caramel. Donc là, voilà, ça commence à fondre. Donc je rajoute petit à petit mon sucre. Alors moi, je suis sur une plaque induction. C'est pas le mien, c'est pas la mienne, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça va aller. Hop. Alors normalement, il ne faut pas remuer avant que ça ait fondu. Allez. Après, du coup, une fois que ça commence à fondre, je peux commencer à remuer. Donc j'ai de la crème, j'ai du beurre, hein, beurre salé ou vous ajoutez aussi du sel. Voilà. Donc là, ça commence à fondre, donc je peux commencer à remuer. Voilà, j'ai baissé un petit peu parce qu'il est. Donc vous mettez en fait en trois fois le sucre. Une fois, voilà. Mais je regarderai Coquelicot le message, hein, du coup voilà. Si vous êtes intéressé par le moule, envoyez-moi un message, vous répondrez. Là, j'ai pas trop le temps, effectivement, de faire de l'individuel. En plus, moi, je peux vous envoyer 5 euros de bon d'achat.
Donc, il suffit de m'envoyer votre mail et je vous envoie un bon d'achat de 5 euros. Hein. Donc, c'est super intéressant, ça vous paiera les frais de port. Voilà, envoyez-moi le mail et vous aurez 5 euros de réduction. On va voir sur un premier achat. Donc là, mon sucre a fondu. Tranquillement, il fond. Voilà, je vais peser mon beurre. J'en aurai besoin de 80 grammes. Voilà. Oh, caramel beurre salé, gaufre à la banane, ça va super bien ensemble. C'est quelque chose qui est très très bon. Donc, je vous invite à tester le caramel beurre salé. Si vous n'avez jamais testé, c'est pas compliqué. C'est un peu de patience, voilà. Donc là, le sucre, je vais vous montrer mon caramel qui fond tranquillement. Spatule haute température aussi, hein, du coup. Voilà, donc moi je la laisse dans la poêle, aucun souci. Elle ne fondra jamais. À part si vous la mettez dans de l'huile de super chaude, peut-être. Mais... Voilà, donc là, on est en train de... Je remonte un petit peu mon feu. Je vais ajouter le beurre. Donc il y a 80 g de beurre. Parce que je rappelle que c'est du caramel beurre salé. Ça sent bon le caramel. Dans le caramel beurre salé, ça. Tout de suite, c'est la Bretagne, hein, c'est des vacances. C'est bien aussi l'hiver. Moi, j'adore. Allez, donc là je rajoute le beurre. On y va. Hop. Voilà, et après on va rajouter de la crème. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, vous voyez, c'est facile à faire si j'arrive à ouvrir ma crème. Et le sel, j'ai oublié le sel. Petite pincée de sel pour faire le... Voilà. Sel de Guérande. Allez, donc là, attention aux projections, c'est hyper dangereux. On rajoute la crème, alors. Je sais qu'il y en a qui disent de la faire chauffer, hein, ou que la faire chauffer, ça évite le contraste. Et là, vous faites cuire le tout jusqu'à obtenir votre beau caramel. Voilà. Donc, on fait bouillir doucement. Ça boue, regardez, hein, voyez. Toujours avec ma spatule haute température, hein, donc vous voyez, elle n'a pas fondu, elle est toujours entière. Voilà, c'est vraiment tout simple et ça vaut le coup de le faire. Quand vous achetez du caramel beurre salé tout fait, franchement, vu le prix, ça vaut vraiment le coup de le faire, hein, maison. Et puis en plus, moi je le garde, je le conserve longtemps. Hein. Je mets dans un petit pot comme ça, vous voyez. Et je vais le mettre sous vide, du coup, avec ma pompe V-Save. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai le V-Save, hein, j'ai l'appareil de mise sous vide qui me permet de garder plus longtemps mes aliments, donc, et notamment le caramel beurre salé. Voilà, il est trop beau. Arrêtez. Regardez la belle couleur qu'il a, une couleur bien caramel. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur en tout cas, mais ça sent trop trop bon. Alors là, il est un peu liquide, mais c'est normal. Hein, il va falloir qu'il refroidisse un petit peu pour épaissir. Je vais vous montrer. On va le verser dans le... On va le verser dans le récipient, voilà. Vous allez voir. Regardez-moi ce caramel, il est magnifique. Voilà. C'est brûlant, hein, mais super couleur. Oui, alors c'est ça. J'ai mis de la crème fraîche, hein, du coup.
coquelicot, j'ai mis de la crème fraîche. Du coup, j'ai mis donc le sucre pour faire mon caramel, le beurre et après la crème fraîche. Donc, il sent super bon. Donc ça, c'est une tuerie. Vous pouvez l'utiliser tout l'été avec des crêpes, avec de la glace, faire des sundaes, voilà. Donc c'est une belle provision. Et après, une fois qu'il est froid, effectivement, moi je le garde, du coup, hein, je mets mon petit capuchon, hop, et je fais le vide d'air pour le conserver, voilà. Voilà, voilà, du coup, ce que je vais faire, puisque mes gaufres ne sont pas cuites, du coup, je vais du coup quitter mon live et je vous mettrai ensuite dans mon feed la photo, le démoulage. Donc je vous ferai le démoulage de mes gaufres. Voilà, je vous mettrai aussi la recette, hein, si vous voulez la refaire. Et donc je rappelle que si vous souhaitez commander les moules Aura, donc les moules Aura, ce sont des moules souples, easy flex, de qualité professionnelle. Là, je vous ai sorti le moule à cake cannelé qui est aussi génial. Voilà, donc vous les voyez, les moules Aura, ils sont avec le petit liseré ici, le petit rectangle rouge. Donc vous allez sur la boutique en ligne. Avant, vous me demandez un bon d'achat de 5 euros si vous n'avez jamais commandé. Je vous enverrai un bon d'achat de 5 euros et vous aurez du coup la possibilité de le commander en mettant mon nom de conseillère qui est Caroline Châtelain. Voilà, donc écoutez, bonne journée à tous, bon dimanche, profitez bien de cette belle journée de dimanche, d'été, et puis on se dit à très vite pour le démoulage et la recette, voilà, de mes gaufres.